Juste quelques mots avant de vous donner la bénédiction du Seigneur. Hier après-midi, ici même, se trouvaient deux cercueils de deux jeunes gens qui ont été victimes des assassinats à Paris, au Bataclan. Résultat de la haine de ceux qui croient que l'on peut imposer une façon de vivre, que l'on peut imposer une religion, il faudrait d'ailleurs se demander s'il s'agit bien d'une religion, par la violence. Donc nous, chrétiens, nous sommes peut-être invités pendant ce temps de l'Avent à extirper la haine qui est dans notre cœur, parce que la haine n'est pas le privilège de Daesh. Et même si celle qui habite notre cœur, heureusement, ne nous conduit pas à de telles attitudes et à de tels actes, nous savons très bien qu'au fond de notre cœur, il y a toujours un petit peu de haine pour celui-ci, pour celui-là, celui qui nous dérange, celle qui ne nous plaît pas. Donc demandons au Seigneur tout au long de cet Avent à nous libérer de la haine qui enserre notre cœur pour laisser toute la place à l'amour du Christ. Et puis je ne serai pas avec vous dimanche prochain. Mais vous savez que c'est un jour important. Vous, chrétiens, vous avez le devoir de voter. Pas de vous abstenir, de voter. Quel que soit le choix que vous ferez, qui vous appartient, qui est le secret de votre cœur, de votre famille, si vous en parlez en famille. Mais il faut voter. Sinon, si vous n'avez pas voté, vous aurez juste le droit de vous taire. Juste le droit de vous taire. En revanche, quand on a voté, si on n'est pas content de tel ou tel gouvernement, eh bien on a le droit de le faire savoir parce qu'on a voté et parce qu'on a contribué. Ou pas à mettre au niveau des gouvernements ceux qui occupent l'espace et la place. Donc je vous invite à voter. Et ne venez pas me dire après la messe pourquoi l'évêque parle de politique. Si c'est ça que vous appelez de la politique, si je vous disais qu'il faut voter pour celui-là ou pas pour celui-là, là, vous auriez le droit de me faire des reproches. Je vous invite simplement à faire votre devoir de citoyen de chrétiens.